Bonjour à tous, dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler de la sclérose développement niveau 3, à savoir la modification de serveur source C++. Donc pour ça, il vous faudra au préalable regarder la vidéo création de la sclérose de ma chaîne, de manière à récupérer le package la sclérose pour pouvoir mettre son CentOS 6, donc le compiler. À partir de là, vous lancez ce fichier. Vous vous connectez dessus. Une fois que vous êtes ici, vous connectez sur WinCSP. Donc je vais vous montrer compiler. Voilà, vous vous connectez. Une fois que vous avez fait ça, là je vais vous expliquer comment modifier à partir de fichiers source au langage C++ certaines choses sur la sclérose. Nous allons modifier certaines choses ensemble. Donc vous allez dans le fichier config, donc home server crc charlib config.h. Vous pouvez descendre, vous pouvez vérifier vous-même le fichier en question. Par exemple, nous allons modifier si vous recherchez quelque chose en particulier, vous faites CTRL F et vous tapez votre recherche. Sinon, vous pouvez voir. Donc là, par exemple, ici, nous pouvons modifier le level minimum et maximum que vous pouvez utiliser des PDC. Donc en l'occurrence, du level 1 au level 145. 146, c'est... si par exemple, vous mettez le level 145, vous pourrez grade avec les PDC jusqu'au level 144. En fait, il y a toujours un plus 1 à rajouter, donc ça c'est officiel, level 1 pour PDC à 145, donc on ne va pas toucher. Ensuite, ce que vous pouvez modifier également, c'est le PK mode limit level, donc ça vous permet de mettre le PVP au niveau 10, donc pareil, comme je vous ai dit, 15, vous pouvez mettre le PVP au level 16. Donc si vous voulez mettre le PVP au level 17, vous changez par 16. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là, vous pouvez voir toutes les maps sont définies dans la config de la sclérose source avec les index pour vous téléporter, pour vous situer, c'est très bien. Vous pouvez également modifier vous pouvez modifier la configuration des apprentis. Tout ça, c'est par rapport aux apprentis, le nombre de jours, le succès, etc. Donc ça, c'est level 15. Enfin voilà, combien vous gagnez de fame, donc de loyauté, en terminant un apprenti. Combien vous pouvez avoir de pets, donc combien vous pouvez avoir de P1, des P1, des dada, des dragons, etc. Alors ensuite, qu'est-ce que nous pouvons voir ensemble? On peut voir également l'invocation de chiens des enfers ou boîte de conserve. Donc par exemple, là c'est plus trop d'actualité sur EP4 parce que c'est en toggle. Donc toggle, ça veut dire que vous cliquez dessus et vous restez en chien des enfers. Donc ensuite, vous pouvez modifier les batailles, donc sur le channel 1 ou celui que vous désirez. Vous pouvez modifier les raids, officiellement sont sur le 3. Vous pouvez voir également maximum number, donc ça veut dire combien vous pouvez avoir de channel, donc 6. Vous pouvez également en mettre 7, vous pouvez également en mettre 8, et ça vous permet de créer 7 channels. Channel 1, channel 2, jusqu'à 7, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans ce fichier? Vous pouvez également modifier les levels pour pouvoir rentrer dans un donjon. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir, là, il faut être level 140 pour pouvoir rejoindre la chapelle.
Il vous faut level 160 pour rentrer dans l'altar. Il vous faut level 90 pour aller dans un camp. Et vous modifiez la valeur par le level souhaité. Donc ensuite, on va faire une petite modification sur... Ouais, non, on ne va pas faire de modification là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez changer le temps des resets de raid, donc 3 heures, ou vous pouvez mettre 24 heures, etc. Vous pouvez également changer le channel de, pour display, donc rendre visible le PNJ pour le Royal Rumble, donc sur le 1 par exemple, officiellement, et sur le 2, channel 2. Vous pouvez également modifier toute la configuration du Royal Rumble en fonction des nombres de joueurs minimum, maximum, en fonction des grades, en fonction des levels, en fonction du prix que vous avez besoin de payer pour rentrer, en fonction de Rookie Senior Master, donc se référer à là, donc au level 120, 121 par exemple. 121, vous allez payer ça. Et 120, vous allez payer ça. Vous pouvez modifier également. Vous pouvez modifier l'heure que vous voulez que le Rumble se start. 21, 16, 22. Vous pouvez également modifier le ranking refresh. Qu'est-ce que vous pouvez modifier d'autre? Là, ici, ça vous permet de modifier les points en fonction des grades des factions à Albert que vous avez besoin. Ici, c'est ce qui concerne la modification, enfin, de l'argent que vous avez besoin de normalement pour rentrer dans la, pour changer les conditions de la tombe de Théos, donc la pyramide. Et ici vous avez la configuration de l'artefact, donc ça c'est l'index de l'item. Et ici vous avez l'index de l'item correspondant au titre personnalisé. Donc voilà, ça sera tout pour ce fichier. Ensuite, comme vu dans une vidéo précédente, dans config localise USA, vous pouvez modifier le max subgrade de votre serveur, donc plus 15. Vous pouvez changer le recommand serveur level. Ça veut dire après level 30, vous ne pourrez plus drop des buffs sur les mobs. Vous pouvez modifier le prix d'entrée de EGA. Ici, vous pouvez voir le level des commandes GM. Les commandes GM, c'est bon. Vous voyez ici, donc vous les voyez ici toutes. Donc ensuite vous allez dans le game server. Si vous voulez modifier la création de personnage pour l'ordre de départ, vous allez dans DB Create Character. Donc là vous descendez un petit peu dans le code et ici c'est les skill points que vous avez quand vous créez un personnage. Donc vous avez des petites informations ici pour vous repérer au niveau des numéros. Et ici vous avez l'or. Donc ça vous permet de modifier l'or de départ. Donc, par exemple ça on va modifier, on va mettre 2 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà, on va mettre 2 millions, on va sauvegarder. On va aller un peu plus bas. Donc ici, vous pouvez vérifier en fonction des index qui sont ici, dans votre string editor, pour voir à quoi correspond tout cela. Donc si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez également modifier les items de départ dans votre inventaire, ce qui
correspond à l'IS platine du level 1 à 35, etc. Pareil, les index et la quantité. Si vous descendez un peu plus bas dans le fichier, arrivé au bout d'un moment, vous allez pouvoir, si je dis pas de bêtises, donc ici vous pouvez modifier par 15. Par exemple, ça mettra votre armure de départ plus 15. Donc c'est tout pour la création de personnage. Ensuite, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez aller dans DB Process Select Sharp.cpp. Vous descendez un petit peu. Et là, vous voyez à la ligne 210 écrit Zone Start. Si c'est un personnage normal. 6 if, ça veut dire que si, c'est du langage de codage. Si votre personnage est un magicien sombre, il va atterrir à Juno également. Vous pouvez encore une fois changer votre zone de départ à la création de personnage en allant dans config, dans la config, et il me semble. Que c'est ici. Donc pour aller un peu plus vite, vous faites zone start pour. Donc voilà, vous avez trouvé la ligne. Par exemple, si vous voulez que votre personnage soit à Proxion quand vous le créez, vous faites zone donjon. Donc 3 correspond à Proxion. Zone donjon 2. Vous retournez dans DB Process Select Char et vous modifiez le texte par zone donjon 2. Si c'est un magicien sombre, modifié. Vous pouvez également faire en sorte que votre magicien sombre soit à Idéa et vos personnages normaux soient à Proxion ou inversement, etc. Donc voilà. Donc on modifie. Ensuite, vous pouvez également modifier le temps de suppression de personnages. Donc vous allez dans dbmanager.cpp, vous descendez, vous descendez. Donc c'est bien aussi de voir par soi-même le fichier dans la globalité pour se repérer, pas passer à côté de quelque chose. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Ici, à la ligne 956, vous pouvez changer le temps de suppression de personnage. Donc, comme vous pouvez voir, plus 24 heures, plus 60 minutes, plus 60 secondes. Donc par exemple, nous allons modifier 24 par 1 et vous verrez. À la fin de la vidéo, je vous testerai en live les modifications apportées depuis les fichiers. Donc, pareil, hein, vous pouvez descendre tout en bas. Vous pouvez également faire pareil avec guide. Si vous quittez une guilde, donc vous rentrez dans la barre de recherche Guild Update, donc dans Guild marquer à Guild Update. Donc, si vous ne savez pas comment rechercher
le temps pour rejoindre une autre guilde, vous allez dans Navicat, et vous allez dans Guild Update. Donc ça, je supprimerai de la vidéo. Donc, vous avez appris comment faire quelques modifications. Donc maintenant, vous pouvez aller dans le descripteur.cpp. Et en fait, dans le descripteur.cpp, vous allez pouvoir modifier des choses. Comme, par exemple, vous allez pouvoir modifier le level de départ, le club, etc. Donc si vous voulez aller un peu plus vite, ou quand vous avez des petites connaissances, vous tapez M-level. Comme vous pouvez le voir à la ligne 536, quand vous créez un personnage, votre personnage sera level 1. Et pareil pour le magicien sombre. Donc on va remettre 90 officiel et vous mettez 238 qui correspond au point de stat à la création de votre NS. Vous pouvez modifier comme bon vous semble. Ah voilà, c'est ici. Ce que je vous disais tout à l'heure. Guide date, donc là vous voyez le time. Donc 60, 60, 24. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'intéressant dans ce fichier? Donc voilà, on a fait à peu près le tour hein, de ce fichier. Donc maintenant, nous allons aller dans DaufenC. Ex subjob. Donc ce fichier vous permet de modifier le marchand, donc minimum de level 50, max 55. Vous avez besoin de 5 points de loyauté, vous avez besoin de 2000 points de capacité et vous avez besoin de tant d'or. Bon, là il y a trop de zéros, je saurais pas vous dire comment ça fait. Donc voilà. Donc ici c'est uniquement pour pouvoir vendre des items et se transformer en personnage marchand. Donc vous pouvez également aller dans... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Caractère.cpp. Donc là, je vais vous montrer quelque chose. En fait, là, je vais vous montrer si par exemple, admettons, vous voulez modifier la rapidité de mouvement de départ. Par exemple, mettre tous les personnages à la même vitesse au début. Il vous faut aller dans Caractère.cpp, de chercher dans le fichier une valeur de rapidité en F, en point F, pardon. Donc ça veut dire que, donc si vous savez pas, vous tapez .f. Voilà. Vous descendez et vous recherchez. Je vais essayer. Donc il se peut que ça soit dans charactère.h aussi. Il y a tellement de fichiers en fait. Ah non, autant pour moi. Je viens de me souvenir. Le fichier se trouve dans pc.cpp. Vous ouvrez pc.cpp. Et là, une autre information, par exemple, c'est l'index
c'est les index des items que vous pouvez recevoir quand vous avez fini votre apprentissage avec un maître au level 20. Ici, vous pouvez également modifier la base des HP et des MP de vos personnages. Par exemple, 110. Toutes les valeurs 110 correspondent à 110 HP pour la création d'un invocateur. Et ici, vous avez le speed que je vous parlais. Donc 8.f, donc vous allez courir à 8 à la création de votre personnage. Si vous modifiez la valeur par, admettons, 10, vous modifiez tous les 8 par 10. 10.0F. Voilà. Donc voilà, vous avez modifié 8 par 10. Donc après ça, c'est la base des traits. Si vous voulez modifier la base des traits des personnages, vous pouvez également le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez également, je vais vous montrer quelque chose par rapport au Grain XP. C'est un multiplicateur en fait. Si vous voulez, la Grain XP est multipliée x 4 quand vous tuez un monstre. Et en fait, le codage se trouve dans Battle Division XP SP. Donc là, vous avez, si vous descendez un petit peu, vous avez 882. 882 correspond à l'index de la PDC. Et là, vous pouvez voir un code NGVXP est égal à NGVXP étoile 4, donc x 4, multiplié par 4. Donc c'est un multiplicateur d'expérience. Si vous modifiez par 5, par exemple, la grille XP vous donnera fois XP fois 5. Après, vous pouvez modifier votre grille XP, par exemple, dans votre description, au lieu de marquer x 4, vous pourrez marquer que vous pouvez obtenir l'expérience x 5. Et vous pouvez faire pareil pour différentes graines. Donc après, vous pouvez voir avec le string editor à quoi correspond 6094. Et 883 correspond à la graine SP. Donc pareil, qui multiplie par 4. Donc c'est le même schéma. Vous pouvez modifier le multiplicateur dans les sources. Donc ensuite, nous avons déjà fait pas mal de modifications. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, une fois que vous avez modifié certaines choses, vous pouvez compiler votre serveur à nouveau. Donc, vous fermez tous vos fichiers, vous ouvrez une fenêtre Qt dans votre compiler, vous allez dans votre dossier, vous faites mettre clean. Vous faites make all USA. Voilà. Vous attendez. Vous allez dans votre serveur. Vous allez dans votre bureau. Voilà. Vous allez dans une binaire. Vous supprimez tout ça. Hop. Il faut attendre un peu le temps que cela se compile, et une fois que c'est compilé, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer, vous allez prendre un par un à la suite et vous allez glisser dans votre PC pour ensuite le remplacer sur votre serveur, pour ensuite lancer votre serveur, vous connecter au jeu et vérifier vos modifications. Si elles ont bien été importées, modifiées,
etc. Donc on va le faire ensemble. Donc c'est pas une vidéo qui sera courte, hein. Je préfère prévenir, mais c'est mieux d'avoir des explications et faire les choses étape par étape que parler vite, faire les choses bâclées et que vous ne comprenez pas. Donc voilà, donc là nous arrivons à zone.cpp. Donc là c'est en train de compiler le serveur en plusieurs fichiers distincts. Donc game server, helper, sub helper, messenger, connecteur, login server. Et une fois que ça sera fait, vous pourrez exporter. Donc voilà, on se retrouve. La compilation est terminée. Donc il ne vous reste plus qu'à aller dans tous les fichiers. Donc helper, vous actualisez, vous voyez 5h29. Vous prenez le fichier, vous le glissez sur votre bureau. Twitter, Messenger. Subhelper. Connector, login serveur, et pour finir le game server. Vous allez dans G, descendez, sélectionnez game server D, vous actualisez, vous glissez sur le bureau. Donc là maintenant on a fini pour donc on peut fermer la machine pour pouvoir basculer sur le serveur. On ferme la machine, on retourne dans les virtual machines, on lance le serveur. On va se mettre sur l'Ascaros maintenant. Donc après, ce qu'on va voir, c'est que s'il y a bien vitesse 10%, 2 millions d'or, je crois, même gold, on va tester Proxion, donc zone de départ Proxion, que j'ai modifié, qui était Juno, zone Start Proxion. Qu'est-ce que nous avons modifié d'autre? La suppression des personnages réduit à 2 heures, soit 1h60, 60. Voilà. Et il me semble qu'on n'a fait que ça comme modification. Déjà pas mal. Je vous ai expliqué plus, mais comme ça vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc une fois que votre serveur est lancé, comme pareil, hein, à mon habitude, mon mot de passe ne fonctionne pas. Voilà, je suis connecté, je peux me connecter. Non, il faut que j'attende un petit peu. Donc une fois qu'on est connecté, en fait, il va falloir qu'on remplace dans tous les dossiers par ce qu'on vient de compiler. Et surtout, n'oubliez pas de faire propriété et 1, 2, 3, 4, x 7 pour donner les permissions au lancement de vos serveurs.
une fois qu'on start, service IPTAP stop, et vous faites, vous start votre serveur normalement. Hein. Voilà. Start.sh, donc je vais donner les permissions avant d'effectuer la commande. Start, et là votre serveur se lance. Donc là, moi pour la vidéo je vais désactiver des personnages. De manière à pouvoir en créer. Donc ensuite nous allons connecter et lancer le serveur. Donc via commande. Faites service host start serveur start.sh. Donc vous attendez que le serveur se lance. Une fois votre serveur lancé, vous vous connectez. Pour l'instant, il est down. Vous essayez de créer un personnage, donc un chevalier, vous l'appelez Proxion, et vous pouvez voir que vous atterrissez à Dratan. C'est pareil, ça ne peut ne pas fonctionner avec Dratan, Proxion, pardon. Ça peut fonctionner avec d'autres maps. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis Proxion, c'est mon Dratan. Donc ça veut dire que ça ne fonctionnait pas. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de créer mon personnage. Nous avons 10% de rapidité, comme est modifié au préalable. Je vais vérifier tout de suite si on a les 2 millions de gold. On a les 2 millions de gold. Qu'est-ce qu'il fallait vérifier d'autre? La suppression des personnages. Donc, pour vérifier cela, vous faites une déconnexion. Vous supprimez votre personnage. Et vous pouvez voir que votre personnage sera supprimé dans 1 heure. Soit 1 heure, 60 minutes, etc. Donc voilà. Donc, je vous ai appris comment utiliser, plus particulièrement rechercher des lignes de code importantes du jeu. De manière à ce que vous puissiez... Ah oui, nous allons créer un Night Shadow aussi. Parce que... On va créer un Night Shadow. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a modifié le level de départ par 90, normalement. Voilà. Nous devons aller aussi à Dratan. Et nous devons avoir 238 points comme... Et les 2 millions d'argent de départ. Et la rapidité de 10. Donc 10.5 pour le Night Shadow. Donc pareil pour tout le monde. Donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur le Discord de l'Ascure Développement. Si vous avez un projet ou quelque chose, vous pouvez me contacter. Mes contacts seront dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.